J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment s'assouplir des pieds. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti avec la suite. Donc tout d'abord il faut commencer par s'échauffer. Donc on va se mettre comme ça. Et on fait comme ça 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis après on fait ça en rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après on fait dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on va faire ça en tout petit, juste les orteils qui vont bouger. Et on relève et on redescend. 10, maintenant on va faire la même chose mais un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant on va se mettre debout et on va faire 10 relevés. On monte et on descend 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Maintenant on fait la même chose avec un pied. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reste 10 secondes aussi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste. 9 et 10. Maintenant on va faire des exercices un peu plus durs. On va rester sur les orteils et on va rester une dizaine de secondes. Il faut bien que les fesses poussent les talons en avant et les mains doivent être à côté des pieds. Maintenant on met les mains en arrière. Et on va monter la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va rester 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur le côté, même chose. Le pied ne peut pas toucher le sol. Et on doit garder le pied ouvert. Il faut bien être sur le côté, ne pas être comme ça en avant. Bien rester sur le côté. Et après, on va rester. Sans que le pied touche le sol. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec l'autre jambe. Sept. Neuf. Dix. Et on va rester. 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va faire la même chose sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste. C'est un peu plus tout seul. Et 10. Maintenant, je vais sur le côté pour que vous voyez mieux. On met une jambe derrière, une jambe devant. On met bien le genou sur le talon. Et on pousse le talon en avant avec son genou. Donc tous les exercices, il faut plus ou moins rester 10 secondes. L'autre pied. On doit bien pousser en avant. Et si vous n'arrivez pas à bien pousser, vous pouvez aussi un peu vous mettre les mains plus éloignées du pied, que ce soit plus facile.
Maintenant, on va se mettre comme au début. On met une main là, une main là. Le pied sur le côté et on va rester. Maintenant, on a fait les deux pieds et maintenant on va faire les deux pieds en même temps. On lève les mains et on reste 10 secondes. 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on met les deux jambes entre les mains et on va relever les fesses. On fait ça 10 fois. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va rester 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire tout ce qu'il y a avec les accessoires. Donc, le premier accessoire, c'est un élastique bleu. Ça s'achète un peu partout, chez Decathlon, chez Sport Direct. Moi, je reste chez Sport Direct. Donc, on doit bien mettre les orteils entre les deux côtés ici. Et moi, je mets l'autre bout à mon dos et après, je tire. Donc voilà, cet exercice est fait pour muscler les orteils. Maintenant, on va faire la même chose, mais un tout petit, 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va garder les talons ensemble et écarter juste les orteils. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va rester. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est tout avec l'élastique et prendre les chaussettes. Donc on va en mettre une ici, une là. On va essayer de les prendre avec les orteils, les lever du sol, les redéposer, reprendre, relever, redéposer 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8. 9. Maintenant, on va faire la même chose avec un pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, avec l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Maintenant, on va prendre les béquilles. Donc moi, j'en ai deux pour faire avec les deux pieds en même temps. Mais vu que ça prend beaucoup de temps à mettre, je vais prendre que une béquille. On aura besoin de la béquille et de l'élastique. Donc pour l'utiliser, on va mettre notre pied tendu et bien le mettre sur la forme. Et après, on va prendre l'élastique, le passer en dessous. Donc voilà, j'ai bien mis l'élastique pour bien qu'il serre. Maintenant, on va prendre une jumelière, la mettre en dessous du talon parce que ça fait mal. Et maintenant, on va essayer de tendre 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va rester. 8, 9 et 10. Donc le but est de rester le plus longtemps et au plus vous restez, au mieux ce sera. Donc voilà, maintenant on va passer au dernier exercice. Et si vous arrivez à faire ça, vous pouvez arrêter de vous tenir et marcher.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao.